Christo. Oui, Seigneur, nous voulons être tout puissant. La Seigneur, on va nous passer encore. Dans la terre, on va nous passer dans le boumou et moi, si ça. Nous voulons nous passer dans le boumou et pour sous la maille, la marche dans la maille en 2022 pour Bimba. Et pour assurer la maille, utilisez mon thé puissamment pour la colombe la maille. Il nous comme ma kimia et c'est comme ma pamboli et longa. Nous sommes nécessaires pour la tina. La lobby pour faire du qui n'a pas. Yahweh, vous ma toi. Vous m'aurez ma yel. Polo, la tina est. Nanzela na kufungwa mama yake na soso la ilobeni na yo. Na kongo na yokolo, mokolo zipe mbisi na bisi zubi terobi. Amen. Amen. Tome tena na mga parole, wako kuna pesi. Zana esen na kongo zivuwa parole. Mbete na yesu na kongo, mbasi kwa 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 bien-aimés, mesdames, qui à la Kimbebe, et le roi d'Antraputère, bien-aimés, ma soeur, pour la côté à Kibotanaza. Et toutes choses où
toutes les choses de ce monde. Et parce que tout passera. Mais la parole de Dieu pour les cas jamais. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi un fils du royaume. C'est pourquoi moi je vous conseille. Il veille à l'enseignement de Dieu. Il veille toujours sur l'enseignement de Dieu. Pour que à ta pomoto azara éclairé. Nous enseignons pour que la personne soit éclairée. Oye ba ndenge makambo na bonzambe etiama. Et tu saches comment est-ce que les choses de Dieu sont classées. O miso kisa na simate. Et tu ne puisses pas reculer en arrière. Biloba oyo zoyo. La parole que tu écoutes. Yango te konetola. C'est ça qui t'enlèvera bien aimé. Ezé yo kusute. Ce n'est pas aussi. C'est l'enseignement. Exalté. Dezo kongisa mbuto. Qui prépare l'homme. Et cet enseignement vous aurez été. Et c'est cet enseignement qui te prend temps pour t'enlever vers les cieux. Israël, le point de l'Égypte, c'est l'enseignement qui a enseigné la personne de Moïse. Bon, Israël sort de l'Égypte, c'était l'enseignement donné à Moïse par Dieu. Cet enseignement-là, l'idée, c'est ce qui est devenu par Moïse. Dans cela, dans mon Seigneur, pour le prendre. Si un peuple a ébi la loi de Dieu, si un peuple ne connaît pas la loi de Dieu, la Bible le balance un peuple maudit. La Bible dit que c'est un peuple maudit. Contraire à Yango. Et le contraire de cela. Oya ébi la loi de Dieu. Le peuple qui connaît la loi de Dieu. Aza béni. C'est un peuple béni. Là il faut ébaka. Là il faut le savoir. Tant que yo ensemble les saints eux par la parole. Lorsque toi l'ensemble des saints tu écoutes la parole. Yéba que Oza aussi. Sache que tu es un peuple béni. Parce que Dieu a jugé bon et a coupé selon le royaume. Oui, et c'est béni si nous avons un état de l'eau n'a pas selon le royaume. Cette parole est très riche. Cette parole que nous avons est très riche. Très profonde. Et ça dit la misito, ma casse. Et ça, mon aile est collé là aussi. Cette parole est tellement grande. Quand tu n'as pas le temps, mon aile est là. Et en observant. La grandeur de cette parole. Il n'y a rien que tu peux comparer à la parole de Dieu. Se pose une question. Je me pose toujours une question. Je l'avais aussi interrogé à plusieurs frères. Comment il se fait que sur toute la terre, tant que mon toisali. Vous souhaitez, lorsque quelqu'un souhaite, par exemple, ma venir sur Israël, et que tout le vœu, donc ma venir sur Israël, et tout le vœu qui se souhaite par les hommes, pourquoi Jésus là? Il n'y a pas le nom de Jésus là à l'intérieur. Pourquoi? J'avais posé à deux, trois serviteurs de Dieu. Pourquoi le nom de Jésus ne se retrouve pas ailleurs? Est-ce que toi tu peux répondre à cette question? Dans la téléphone, on va venir sur le vœu, pourquoi Jésus? Regarde dans ton téléphone s'il y a le nom de Jésus dans le vœu que tu as reçu. Et ça y est, bien aimé. Mon tambour qui s'est dans mon tambour l'âme, il n'y a pas Jésus. Celui qui peut accomplir un vœu en faveur d'une personne, ce n'est que Jésus Christ. En dehors de Jésus-Christ. En dehors de lui, Azate, il n'y en a point. Dieu a réalisé les projets des nations. Zate a été mis à Kamakou, ici à Kokolo. Donc, on souhaite que vous trouviez, tiens, comme moi, Jésus-Christ. Si tu souhaites le meilleur vœu à quelqu'un, il faut toujours mentionner le nom de Jésus-Christ. Tiens, comme moi, Jésus-Christ. Mais il faut mentionner le nom de Jésus-Christ. Alors, mais tout ce que vous pensez en parole, ni on se repose à la maloba. En acte. Faites le nom de Jésus. Au salamon, n'a pas Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. N'a pas Jésus Christ. Pourquoi Jésus Christ est un top dans. C'est le nom de Jésus Christ qui est le nom au-dessus de tout nom. Au souhaiter la maison à la top. Tu peux souhaiter une bonne année. Covid est venu comme la janvier, tu descends. Et la pandémie de la Covid frappe depuis de janvier jusqu'à décembre. Mais ce qui Jésus-Christ s'en a dit. Mais si Jésus-Christ y était mentionné. A conquise que au milieu de l'année qui tombe. Jésus-Christ. Il faudrait que tu vives une bonne année réellement. Il y a 12 mois. Lui connaît tous les 12 mois à venir.
Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de notre homme, mais de Jésus-Christ. C'est très important. Donne plus de la valeur à ton Seigneur. Il faut proclamer le nom de Jésus. Il faut aider proclamer le nom de Jésus dans toutes choses. C'est très important. Et ça va. Oui, on peut son bonheur. Ce qui va te donner le bonheur, c'est ce n'est pas l'année. Oui, on peut son bonheur, c'est Jésus-Christ. Ce qui va te procurer, celui qui va te procurer le bonheur, c'est Jésus-Christ. Ah oui, on peut son paix. Celui qui va te procurer la paix. Jésus avait dit. Jésus avait dit. Je vous donne ma paix. Dans moi, je sa vie, non, qui vient en gagne. Pas comme le monde le donne. Donc c'est Christ qui donne la paix. Et ça, Christ donne la paix, ça va qui vient à ma tour. Il y a à ton qui s'appelle Nicolas Namoto. Et comment il bénit. C'est lui aussi qui multiplie les jours des fils des hommes sur la terre. Il y a un peu qui s'en a dit contre eux. Et la mort qui est préparée contre toi. Zamba sont capables de colomber un peu à baxer les humains. Bénit Nicolas Namoto. Et c'est pas côté cette mort. Là, il faut ça dans la main, la carte, la raison latine. Et là, il faut l'avoir en toi et c'est très important. Et oui, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans la tine à ma case. Que tu saches élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Et nous croyons très bien. Et oui, na pizza. Que ce chemin où nous sommes. Et ce chemin dans lequel nous sommes. C'est un chemin où plusieurs, c'est un chemin que plusieurs ne comprennent pas. Mais ceux qui osent en la yango, il faut savoir comment glorifier le Seigneur. Mais si toi tu comprends ce chemin, il faut savoir glorifier Dieu. Le nom qui est au-dessus de ton nom. Le nom grand et puissant. Le nom si haut élevé. Le nom où est possible son pardon et un péché. Le nom qui nous a donné le pardon des péchés. Le nom où est restauré la vie. Le nom qui a restauré nos vies. Le nom où est ce qui est possible promesse et ça a effacé. Le nom qui donne la promesse et qui ne peut jamais s'effacer. Ce qui m'a donné ici car au bocal qui est allé à le Dieu pour son abondance. Ce nom là est compris son abondance. Si il dit que tu as l'abondance là où il y a la sécheresse, ce nom va. Même si à la sécheresse, ce qui a enlevé abondance au nom de Jésus. Si dit l'abondance au nom de Jésus, ce nom-là est pour ça. Et ce nom-là l'accomplira. Ce nom-là est capable de vaincre la mort. Ce nom-là est capable de vaincre la mort. Oui, tiens, il est la mort qui est posée ou mise devant. Alors, qui est-il mort? Devant la vie qui est Jésus-Christ. Ce nom-là, Kombo, et mon nom Jésus peut te donner une longue vie. Kaka Kombo, seulement c'est le nom de Jésus. Kombo, Jésus-Christ. Yamonez Alignos. Et c'est tout. Pour les croyants. Pour la montée intime. Pour l'âme, pour l'amour, c'est le nom de Jésus-Christ. Et dormir, c'est réveiller. Pour vivre, c'est le nom de Jésus-Christ. Vivre, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans la Odyssée de tout. Et ça dit Jésus-Christ dans sa vie. Il est capable. Des problèmes personnes éliminées par la situation et de les restaurer comme il était auparavant. Il est capable de doter des cancers incurables dans le corps de quelqu'un. Et puis il restaure son sang normalement. Comment est-ce que ça va? Il peut ce nom-là de Jésus-Christ. Le sida pour donner un sang normal. Aucun esprit ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister devant ce nom-là de Jésus. Il devait tout gérer son fléchir devant le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est cela qu'on proclame ce nom-là. Il faut m'aider. En toutes choses, ce nom-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour vraiment
élevé à ma place. Ce nom-là est très grand. Il y avait un Jésus. Et si les sous-terre, au moins un coffre. Au moins un coffre là-bas derrière. Parce que ici, toutes les places sont occupées. Parce que ici, Jésus n'a pas de place. Sont occupées, donc Jésus n'a pas de place. Maman, il se rend ça va. Et sa maman dit ça va, vous pouvez partir. Là, si ma Isabelle n'a plateau et à ma. Et là-bas au coffre, il y avait les plateaux. Bateau dit pour qu'il y ait l'ambiance là-bas. Ils sont sortis pour aller dans le bah, show. Jésus-Christ n'a pas de place. Jésus-Christ n'a pas de place. N'allez. Et pendant leur route, accident. Ils ont connu un accident. Motoka est finani. Et la voiture c'est. Dans la place au bateau dit que Jésus avait la place dans le coffre. Et au coffre là, on avait dit que c'était la place de Jésus. Coffre est intact. Attendez qu'il manque et pas souffrir. Et aucune œuvre n'avait été brisée. Pour son nion, ce fut même pas mon nion. Et la bâtie maison, c'était vraiment catastrophique. Caca coffre, c'est comme le coffre qui était resté intact. Normal qu'ils en aient m'attendu qu'il m'aurait pas d'année. Avec le plateau d'œuvre, aucune œuvre n'était brisée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. On s'en va comme moi, on n'a pas battu. Il ne faut pas prendre ce nom-là. Malobanaïs, comme on en valait, là, ce nom-là. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Apprécie du sol et ça du colonne à rien. Il nous a donné ce qui est au-dessus de tout. Il y a bon des autres qui sont ma casse. Et c'est ce qui nous donne la force. Il y a bon des autres qui sont mis. Et c'est ce qui nous le cœur. Il y a bon des autres pambres qui sont. C'est ce qui nous bénit. Il y a bon qui n'y en a mis. Et c'est ça que notre Père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ta l'élu n'a pas à l'encore la bataille au Kirité. Sois pas comme cette gens du monde. Yo et Bagué. Et toi, tu vas savoir. Fina yo les enfants à la carte. Très reconnaissant et pardon. Tu vas te faire très reconnaissant dans ta vie envers le Seigneur. Tant que nous sommes au Pessah. Tout le temps que tu te donnes. Il faut y ma cause qui s'en m'a tout. Il faut savoir lui rendre grâce. C'est ça, moi, nous sommes sur la Zambéraï. C'est ça, un fils qui comprend. Zolé Yoan et les Amaramoubines. C'est cette manière. Il faut aimer proclamer le nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas de mal à boire, il y a un peu de mal à l'hôtel. Là où les gens vont te rejeter, lui ne va pas le faire. À comprendre les soins à l'hôtel, souka et Nicolas, au-delà de Nicolas, il prendra soin de toi tous les jours. Pendant tous tes jours sur la terre et au-delà même. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Mais ça va être abonné en son honneur. Il faut à tout temps lui donner l'honneur. Ton bon la caille est en nous. À tout temps l'élever et à toutes choses. Les anatis la macasse. Et cela il est très important. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur nous a la grâce pour nous. Que le Seigneur soit grâce pour nous. Zambé à l'eau qui s'aille la nios. Que le Seigneur te donne la victoire en toutes choses. Zambo et aux anaïs. Le Dieu que tu as, Azan Zambé à Solo à Kiraki Nicolas PC. C'est le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre. Il faut dire maman que mi pépé tout ça caille. Il faut croire que la tempête lui obéit. Ma problème, c'est quoi ton bois et tout ça caille. Et tous les problèmes qui peuvent surgir, c'est lui obéissent. Voyez bien que problème aux anamo, ils ont des bandes de l'inango. Tu sais très bien que ton problème a son début. Mais ils n'ont pas été sous ta naango, yango, yango et banda. Mais le Seigneur connaissait déjà sa fin avant. Il y a autant de problèmes, on est banni au soutouki. Et toi, tu es surpris lorsque c'est pour maladie. Où c'était la maladie? Alors tu es surpris de la maladie. Et il y a un bâti en haut avant y'a moué banda pas et dîner au soutouki. Mais lui connaissait cette maladie avant qu'elle ne commence et même sa fin. C'est Dieu. Les gens t'appellent au monde. Il est dans un besoin. C'est lui que nous avons plus besoin dans notre vie. Il est dans un bénir. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous accorde les bontés. Il faut que tu crois cela fermement. Les projets des nations tiennent et antisélas. Mais ces projets, ces desseins subsistent toujours. Et ce dessin de génération en génération. La bénédiction sur la terre, Zamaki,
en Abraham. Tous les rois de la terre, ceux qui Abraham a fait prendre Abraham. Et si Abraham se retrouve dans une nation, Abraham bénit. Et c'était ce roi-là qui disait à Abraham de le bénir. Parce que c'était un peuple béni. Aujourd'hui même aussi, la postérité d'Abraham, c'est l'Église. La postérité en Christ, c'est l'Église. Quand l'Église a la bénédiction, c'est seulement l'Église qui a la bénédiction de Dieu. Il faut le savoir comme ça. L'Église qui croit, c'est celle qui a la bénédiction. Et ça dit, parce que la bénédiction, le Seigneur a l'obaki, le Seigneur avait dit, toutes les nations de la terre, ma pote bien sûr, et vous en avez béni en Abraham. Seront bénis en Abraham. Et cette bénédiction est venue dans la maison d'Abraham. S'appelle Jésus-Christ. Et comme on a voyé Jésus-Christ. Alors, et si quand Jésus-Christ est là, et là où il y a Jésus-Christ, et bénédiction est là, c'est là où se trouve aussi la bénédiction. Honneur. Son Dieu bon, oui, succès, récite, les alibans d'Église. Toutes ces choses-là ne sont pas en dehors de l'Église. À moins que tu sois un peu plus grand. Tu crois qu'un signe que c'est en dehors de l'Église. Nous allons en avoir. Je suis attentivement. Je parle de la Bible qui est aussi dit. Je parle de la Bible que nous touchons. Donc la bénédiction est dans la maison de Dieu. Le Seigneur accomplira les paroles qu'il a dites. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit. Des projets des gens, il en ayant dit. Mais ces projets subsistent toujours. Et c'est des saints de génération en génération. Maintenant, il dit Israël. Recommande tes projets à l'Éternel. Donc, si on a un projet, si tu as un projet, à la fin, tu as si bien le vœu. Il faut mettre ce qui t'a fait à l'Église dans ce projet. Recommande ça. Pense à côté par ça. Maintenant, mets en lui sa confiance. Et il agira. Montre son éternel en vie sans Jésus. Et quelqu'un te souhaite la longévité sans Jésus. Vous en croyez. Et tu crois aussi à enseignement. Dans quel enseignement? Vous en croyez à moi? Tu crois aussi à quel enseignement? Dans quel enseignement? Est-ce que vous en là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ah, il faut savoir ce que tu es. C'est très très important. Et les amis pour tout oui, à oui, oui, oui. Savoir ton identité. Vous avez un peuple béni. Vous avez un peuple béni. Pas pour la vie. C'est de toi que la bénédiction est au bout. La bénédiction proviendra de toi pour aller ailleurs. Et au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Toujours au nom de Jésus-Christ. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, au moment où ça va être emporté dans ma femme, on va tout nier. On va emporter dans le nom. Tu peux être emporté par le vent qui emporte tout le monde. Non. Non. Yo, au monde est en Zambé. Toi, tu es en train de voir le Seigneur. Je tombe là. Seigneur, tu élèves le nom du Seigneur. En quatre ans, vous allez croire. Et en toi, tu crois. Que Zambé n'a pas été beau tanayon. Que le Seigneur qui a gardé ma famille. Et Zambao Azamba Pagan. Que ce soit ceux qui sont des païens. Les Angolo et Zalikolo n'ayant des Bombibango. C'est la grâce qui est sur toi qui les a gardés. Des amis au Pango. Et tu es appelé à les bénir. Au nom de ton Dieu. Nakomo Yanzambe ou Yanjou. Jésus-Christ. Très important. Et ça, Dieu bénisse. Amen. Fais-toi au nom de Jésus-Christ. Salamansonakoumoyesu-Christ. Même aux en approcher, élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es proche, élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aux en aboumissi. Pourquoi tout le monde est ici, ma casse. L'obakakasi, Dieu le veut. L'obak toujours venu en bas. Il faut toujours dire si Dieu le veut. Cela est très important. C'est pourquoi ton obaka. Vous souhaitez longue vie, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pourquoi nous disons souhaite la longévité, mais au nom de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut donner à son semblable. Azad. Il n'y a point de société. Azad.
pense que l'honneur, la louange, ils allaient pour notre Dieu. Je pense que l'honneur, la louange appartient à notre Dieu. Nous l'élevons dans la grandeur de son nom. Parce qu'il est unique. Oui, qu'il est unique. À son genre. Voilà, vraiment, il faut vous considérer, ma mère. Vraiment, il faut les considérer. Parce que, oh, il y a ça, nos collègues à terre. Parce que celui qui accomplit les produits qui opère aussi comme lui n'existera jamais. Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'unique. Tataye Moko. Zamboye Tosambe la Kaoya Zambounene. Le Dieu que nous adorons qui est tellement grand. C'est pourquoi tu élèves toujours sa grandeur. C'est pourquoi nous élevons sa grandeur. Et Dieu bénisse. Zambéa Pamola. Donc que Dieu vraiment Sunga, vraiment que le Seigneur puisse assister à Talisayo vraiment aux Anani. Qu'il puisse t'enseigner et te montrer ton identité. Nous avons apprécié la valeur ma casse. Le Seigneur t'a donné plus de valeur. Le fait qu'il y a Zobé Mayomwanaï. Le fait qu'il t'appelle son enfant. Et Zayo Kawasakana Nangote. Ce n'est pas quelque chose avec lequel. Abénia mon agent chapitre 1er. Il a appelé dans son chapitre. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout un pouvoir. Les autorités. Les autorités. Que le Seigneur t'a donné. Dieu très grand. Tu peux penser le bonheur pour même un païen. Mais que le Seigneur aussi accomplit le bonheur en sa faveur. Parce que toi tu n'as fait que penser. C'est pourquoi le Seigneur a débattu au maudit. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas que tu maudisses les gens. Si tu dis quelque chose, cela arrivera. Je te dis vrai. Dans ce sens. C'est pourquoi Boy la caille au corps. C'est pourquoi il te refuse la malédiction. Et ça puisse sortir. Il n'aime pas que tu dises du mal. Cela va le suivre. Vous avez un pouvoir à mort de colonne. C'est pouvoir là. C'est pourquoi c'est qu'il faut contrôler tes mots. C'est pourquoi il demande que tu contrôles tes paroles. Alors, mais vous êtes des dieux. Vous avez un mais vous mourrez comme des hommes. Vous avez un pouvoir à bâton. Donc, attendez, ça va être il montre à son cœur. Et Ténia vous en pèse. Il y a aussi une portion de la divinité. Et comme ma maman, ça a dit, on m'a dit, ma casse dans mon cœur. Il arrive que quelqu'un te maltraite. Donc, je n'ai pas tout ami. C'est pas bon. Et ça dit, on passe ici. Ne pense pas que les gens vont monter. Ne pense pas que le Seigneur aussi. Attends, vas-y, c'est ma nobade. Même si tu ne sois pas si mal, tu vas considérer. C'est le tout bon que tu as ressenti. Il colore la mort, on va nous en mettre une ça. Et par-dessus de cela, demande les pardons sur son élève. Mais si c'est le cas, il y aura des problèmes. On a un pouvoir. Parce que tu as un pouvoir. On a une autorité. Tu as une sorte d'autorité là en toi. Oh, et ça. C'est qu'il y a l'autorité qui agit réellement. Il faut y aller. Et c'est qu'il y a. Donc, Rosa, Moutouloko la Matounion sautait. Tu n'es pas un homme comme tout le monde. Il faut y aller. Il faut savoir. Bama pa. Le pain. Nabamboka. Et Zalaï Moussaïa Mamboka Missous. Donc, les pains sont bien fabriqués dans toutes les villes, dans tous les pays. Mais Zalaï Moussaïa Mamboka Missous. Considéré plus. Mais il y avait aussi les pains consacrés que le Seigneur consacrait. Dans sa maison. Voilà, ça va être la pain consacrée. Ma pa oyo, ma bonté, ça n'est pas le même. Et c'est ce qui sent les vins. Les alas qui foulent. Les alas qui sont à ma pa. Donc c'est sans que ton pain. Mais c'est très différent. Mais c'était très différent des autres. Oh, Jésus a tombé la calipa. Alors Jésus avait élevé le pain. A béni, ça c'est mon corps. Il a dit oyo, des autres qui ont gagné. Tant que nous avons ma pa. Aussi, aussi, alors nous voyons surtout les corps qui sont sur la terre. C'est comme si tous ces corps-là sont semblables. Donc, toi, alors, ce qui est musicien, okay. Donc, celui qui est un musicien du monde et toi, vous n'avez que le même corps. Mais il y a eu un consacré. Mais ton corps-là est consacré à Dieu. Il y a eu un enfant qui vient en Abouna. Et ton corps à toi, le Seigneur l'a acquis nous a mis. C'est très différent. Osa parle de Dieu. Osa libo les années tignes en santé.
Et c'est ce qui est la chose la plus utile.
Et Dieu te bénisse. Amen. C'est ça la chose la plus profonde qui va être en toi. Natangi écriture, ma biso. Je lis dans l'écriture. Parce que c'est quelqu'un qui comprendre un peu le lien Zambé à Sali au mois de mai. Parce que tu devrais comprendre aussi comment que le Seigneur t'a fait son fils. Le lien Zambé a péché au pouvoir. Quand est-ce que le Seigneur t'a donné le pouvoir? Bénédiction et Zali Banda et à Jésus. La bénédiction n'est pas en dehors du Christ Jésus. La bénédiction est dans l'église du Seigneur. Pas pour les amis, l'église, y a encore. Et c'est l'église qui bénit. Mais à l'église, il y a des opambos là. Et te remets que tout ce que tu dois faire. Et nous disons que tout ce que tu dois faire. En parole, en acte. Au salam au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. Pour élever le Seigneur. Autopolam colo. En tout. C'est très important. Amen. Et que ta vie aussi, elle a une vie pour rendre grâce en Dieu. Soit une vie qui remercie le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Tous les textes, ma mission. Nous prenons notre texte. Les textes que nous allons lire en ce moment. Dans Matthieu 16, toujours. Toujours dans Matthieu, chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 13 et dans le verset 18. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Pasteur Seba reçoit la mission. Le pasteur Seba va nous aider avec la parole. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Et comment Jésus n'a époque à Césarée à Philippe? Demanda à ses disciples. À tout la qui va y connaître. Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, et les autres, Elia. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Et bongo dites-vous que je suis. Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Le fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Jésus, tu es le Simon. Vous allez m'entendre, c'est moi, Simon, fils de Jonas. Moi, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es bien. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse les dieux. Vous avez copié sans amener. Merci aussi pour l'étape de l'étape de l'étape de l'étape. Nous rendons aussi grâce au Seigneur par rapport à l'état du séminaire au dehors. Et il est d'avoir mérité l'alliance. C'est lui qui mérite toutes choses. Salomon, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons continuer pour quand même avoir quelques précisions. Nous continuons encore pour avoir quelques précisions dans ce enseignement. Qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ Azali Nani. Il faut d'abord contacter sa poignée ici de l'Ombaki. Il faut montrer ceci comme nous l'avions déjà dit. Totaliser d'abord que ce que le Seigneur a annoncé. On avait montré que ce qu'avait annoncé le Seigneur. Et personne ne peut l'annuler ou l'anéantir. Le Seigneur t'a appris sur sa parole. Lorsque le Seigneur a donné sa parole à Israël, Israël tout le monde qui est élément qui est soulevé dans
enseignement. On avait vu un élément qu'on avait soulevé dans l'enseignement. Le premier commandement. Israël a un Seigneur. Israël n'a qu'un seul Seigneur qui est l'Éternel. Il a un unique Dieu. Il a un Zambet à ta montre. Et puis nous avons pris aussi Deutéronome 32. Et puis on avait pris aussi Deutéronome 32. Le verset 39. Le verset 39. Zambazo témoigne. Le Seigneur témoigne. Il n'y a pas un bien près de lui. Les amis n'ont jamais mon côté pour y avoir péché. Et la bouche de Dieu, les paroles qui sortent sont la vérité. Maintenant, on devait comprendre. Et l'obéissance tout le langage que le Seigneur nous donne. Y a un pourquoi la manière dont on avait marché. On avait dit ceci. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Mais Jésus-Christ nous a dit que nous mais l'Éternel a le bâti. Mais l'Éternel avait dit, il n'y a pas un autre Seigneur libanana. Colon au sous sanité libanana nié. Tantôt qui pour annuler à monté. Nous ne pouvons pas anéantir cette parole. Besoin qui aussi les commis. On avait pris aussi l'Écriture. Oh il a talisé. Où il a montré. À Ésaïe chapitre 45. Dans Ésaïe chapitre 45. Verset 23, tous ceux qui en ont, trouveraient qu'il en a aussi par la grâce de Dieu. Le verset 23, on en avait aussi parlé par la grâce du Seigneur. Tout à l'heure, qui en a, l'Église alors, qui j'élégis par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Alors, parole il a dit que c'est une parole qui ne sera jamais. Lorsque nous la donnons, nous ne le faisons pas en vain. Aujourd'hui, nous allons fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fléchissons devant le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel a dit que ma bonne monnaie se confouque à mes années. L'Éternel avait dit que tout genou fléchira devant lui, l'Éternel. Cela montre que l'Éternel est Jésus-Christ. Et c'est lui l'Éternel qui est Jésus-Christ. Mais c'est répondre à ma question maintenant il fallait que nous puissions répondre aux questions que d'aucuns se posent. Dans le même temps, c'est tout. On avait parlé sur l'Éternel y est mon con à Isaïe 8, verset 14. Que l'Éternel lui-même dans Isaïe 8, 14. Il avait promis de venir sur la terre comme un sanctuaire. Sa promesse à lui. C'est sa promesse à lui. L'écriture nous fait dire dans la carte à lui. Toutes ces écritures là doivent rester. Lorsque tu t'entretiens avec quelqu'un. Puisque Isaïe 8, 14. Tu lui donnes Isaïe 8, 14. Maintenant il nous va au ensemble à l'obéir. Maintenant la parole que le Seigneur a dit. Qui est Yahweh. Que lui l'Éternel. A voyage pour la table. Il viendra comme un sanctuaire. Et pour y ma temple, mais pour savoir le temps, nous avons pris la prière de Salomon. On avait pris la prière du roi Salomon. Temple Salem a dit, le temple était bâti. Pour ceux qui peuple est péché. Ainsi le peuple pêche, Bakoyane na temple. Il se rendra au temple. Parce que il n'y a aucun homme qui ne pêche. Oui, les amis, dans votre monde, à Zaka de son. Donc nous tournions ça sur moi. Donc tout le monde pêche. Mais temple est là comme un assoum en mais c'est le temple qui portera le péché de tous. Donc temple en réalité en assoum en bâton. C'est-à-dire le temple en réalité ne péchera pas. Poyé a tiami pour demander ma soupe et ma soupe. Parce que lui est bâti pour porter le péché des autres. C'était l'écriture dont se débattit aussi. C'était une écriture qu'on avait soulevée. Vous avez dit à mon livre 1 roi. On l'avait prise dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 8. 1 roi chapitre 8, le verset 46. Le verset 46. Nazo le va s'exercer. Hein? Je veux que tu puisses t'exercer dans les choses de Dieu. On méprise pas. Ne méprise jamais la connaissance bien-aimée. Bon, c'est bien au titre de la combat.
C'est mieux que tu puisses retenir les noms des serviteurs. Pour ma beauté, je connais les noms des serviteurs. Pasteur André. Pasteur Tel. Pasteur Joseph. Oui, mais ça va ça pour soutenir Pasteur Joseph. Pasteur Jean Benga, Pasteur Jean Benga, c'est bien. Il y a un côté de salut. Ce n'est pas ça le salut pour toi. D'ailleurs, je proviens même de là. On a pasteur Jean-Baptiste. Là-bas, le pasteur, c'est Jean-Baptiste. C'est un problème. C'est bien, c'est pas un problème. Mais il faut des balles. Oui, alors, tu dois savoir la langue du pays. Parce que quand tu as un bon ami, parce que c'est la langue du pays qui est ton salut. C'est là où je suis allé. Il n'y a point, c'est notre chemin. C'est les anagas, connaissance. Le chemin, c'est seulement la connaissance. Attends, au salut, d'ailleurs, ça plaît. Même si tu fais son travail, le Seigneur ne va pas crier un autre chemin. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point fourni Dieu. Le monde a conquis, n'a point dit, il y a rien qui nous a pété. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Et c'est même ce qui nous a fait à côté qui s'appelle Bandini. Par la folie de la prédication. C'est là l'idée à l'homme de Dieu dans son terre. Vous avez un moment, moi. Amen. Donc, ça va dire le pico. Donc, le Seigneur a placé le salut. Non, Seigneur. La tâche à l'idée. C'est ça le combat à Dieu. Il y a beaucoup de vitumba. Il y a ça. Dieu n'a pas permis de l'autre à la télévision. Le diable peut te permettre à suivre la télé du matin jusqu'à 22h. Il sait que tu ne vas pas te sanctifier en suivant la télé. Il y a un mot d'autorité qui parle. C'est pourquoi la
Dans 1 roi 8, verset 46. Le verset 46. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand il sera irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un pays lointain, dans un pays des ennemis lointain ou rapproché, si le nôtre en est-même dans les pays où ils seront captifs, ils reviennent à toi et t'adressent des explications dans les pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent: nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait du mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu y as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Et en 3 jours je les réveillerai.
Les juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les révéleras. On a commis dans le verset 21, Jean 2. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Donc, tant que nous sommes ces écritures, lorsque nous prenons ces écritures, nous sommes avec Esaïe 8, 14. Nous la marions avec l'écriture d'Esaïe 8, 14. Parce que Dieu avait promis, mais Dieu savait à la place, il est mon corps éternel. Lui-même est Dieu. Appuyant comme temple. Il viendra comme un sanctuaire. Et nous sommes dans le temple. Et nous voyons le temple. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe Colo, Jésus-Christ. Donc, il y a des éternels à la carte qui promettent dans ta carte. Il est comme un temple. Il est venu comme un temple. Pour en faire Gazala, exaucement la prière et à Batounios. Afin qu'il soit l'exaucement des prières de tout le monde. Et Dieu bénisse. Amen. Il y a mon temple, Bazon Benga et Tambamoni et aussi. C'est pourquoi lorsqu'on l'a vu, comme Jérémie, donc on l'a Jérémie, comme l'un des prophètes, donc on l'a encore à Massacre. Et il n'y a pas ça, ni. Parce que l'on doit se faire le bonheur, non, non, possible. Parce que on a dit toutes choses petit à petit, en fait, que tu puisses le saisir. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 1er, si vous prenez 1 Pierre chapitre 1er, il y a un moment dans laquelle il s'agabale. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, Nakutana na batwa ya basambe de saint. J'avais croisé seulement les frères de l'église de saint. Bah, ça la demande à la Branamis. Ils faisaient des débats avec le frère du message de Branam. Et de leur côté, Elias en église. Et qui n'est pas dans l'église. Alors, Elias en église, c'est quoi tel et Abraham et. Donc, les frères de l'église des saints disaient qu'Élie n'est pas dans l'église pour s'opposer aux frères du message. Effectivement, Bamon a un erreur. Effectivement, les frères du message étaient dans l'erreur. Mais pas corrigé la erreur, la erreur. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre. Nous avons la connaissance et la bien. Il faut désirer avoir une bonne connaissance. Et puis, nous devons avoir la c'est l'orgueil. Et puis, ce qui tue plusieurs, c'est l'orgueil, l'olène d'or. Voilà, son terre de la Branamisa. Il s'oppose au Branamisa. Il y a ça dans l'église. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans l'église. Non. Non, bien aimé. Il faut y ébabouer. Il faut savoir ceci. Massa Coligno, c'est dans le bâton de ma terre, mais en quai. De dire en des termes simples. Donc Jésus-Christ, ça veut dire temple. Jésus-Christ est comme le temple. N'est-il temple. Comme le temple, temple. Maintenant, temple. Maintenant, le temple vient. Et ça veut dire, et le nous sommes autres. C'est dans un autre langage, c'est comme. Donc, l'Ibanement, qu'on a manqué pour tourner d'abord. Chaque pierre qui a participé à la construction de cette maison, déjà va s'abonner. Et représente tout le prophète de l'ancien. Donc, il va dans mon souffle, c'est ça, Esaïe. Donc, une pierre est comme Esaïe. Il va dans mon souffle, c'est ça, c'est Élie. Et une autre pierre comme Élie. Il va dans mon souffle, c'est ça, c'est Jérémie. Et une autre pierre comme le prophète Jérémie. Il va dans mon souffle, c'est ça, c'est Daniel. Et une autre pierre comme Daniel. Mais le dernier mon souffle, Salomon, on va dire dans la cantine des cantines, chapitre 4. Salomon l'avait dit dans un autre langage, dans Cantique de Cantique, chapitre 4, chapitre 4, à l'Ogiboué. Il a dit ceci. Cantique de Cantique, chapitre 4. Cantique de Cantique, chapitre 4. Dans verset 4. Au verset 4. Nathanie au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ton cou est comme la tour de David. Bâti pour être un arsenal. Oui, ton papa prise à la locola bipundeli. 1000 boucliers y sont suspendus. Bâti bipundeli. Quand ton monko et tiens moi dans la kikoa. Tous les boucliers des zéro. Bâti bipundeli, non, soit les amis à Babylone. Donc, on va faire ça qui vaut. On parle ici du coup. Et l'autre, on va se remarquer l'écriture. C'est qu'on remarque dans cette écriture. Et ça n'est pas un lion soit un héros. Donc tout celui qui est héros est l'homme. Donc, un héros qui a combattu et qui a vaincu.
Tout ce lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, place à là où il va les déposer, ils ont la cantique des cantiques, chapitre 4, verset 4. C'est tout dans cantique et cantique 4, 4. Il vient le mettre sur le cou. Héros, tout le héros. Comment on a héros? Pour voir ces héros, Hébreux 11, dès le début. Hébreux 11, parle de. C'est par la foi que. Abraham, c'est par la foi. Gédéon, c'est par la foi. Toutes leurs âmes, ils les ont portées pour les placer au cou. Kimbo, les âmes, tout le monde. Et ces coups-là, c'est tout énorme. C'est Jésus-Christ le médiateur. Les amis, Jésus-Christ, on monte à tat-tat. L'œuvre qui était accomplie dans le monde, lorsque Jésus, cette œuvre-là, il vient la déposer au cou qui est Jésus-Christ. Vous suivez attentivement. À sa cou comme médiateur et à perfection. À sa kingo le mot la montre à sa aussi la tête comme le chef de l'église. Il est aussi la tête le mot la montre église. Mais tant à sa cou, à sa médiateur, Jésus-Christ homme. Et lorsqu'il est le cou, à sa loco la montre à sa tu as sa mise à capatoyer. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Misala Nios aux hommes dans la tête à Basakoli Nios. C'est-à-dire toute l'œuvre que tu vois dans tout le proverbe. Au voyant au moins la tête à Jésus-Christ. Tu viendras le voir aussi en Jésus-Christ. Nazui d'a dit ça. Je prends un exemple. Ésaïe 20. Ésaïe chapitre 20. Au Koutani Namoto, tu croises quelqu'un. Alors dis non, Vagina Nikwana. Jésus-Christ était mort avec. Et ça, on a la pensée à pideur. C'est pas ce qu'il fait la pideur, la pideur. Mais ça va les dire mon savon. Mais le Seigneur avait dit un prophète dans la Bible. Ésaïe, qui est le prophète. Verset 3. Ésaïe 20. Ésaïe chapitre 20. Et l'Éternel dit. Et Yahweh a dit. De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et les chaussées. Ce qui sera dans trois ans un signe. Et ça dit l'homme et au Zalaka n'a ni boumi ça l'homme les un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Et l'homme et au Yali pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Donc vie des serviteurs. La vie des serviteurs. Et l'ambanaye. Donc son vêtement. Et Tarisaka aussi royaume puis Tarisaka gloire. Représente le royaume et aussi la gloire. Le Seigneur avait besoin à déplier l'Égypte. Le Seigneur avait besoin d'arracher la gloire en Égypte. À déplier tout. Et il déplie aussi les mais il l'a amené dans le temple d'Isaïe. Mais il l'a amené comme un signe dans le temple d'Isaïe. À déplier les temples. Il a déplié Isaïe de son vêtement. Avant qu'on ne l'ouvre dans la tâche. Avant que tu ne vois quelque chose en Christ. Il faut une écriture, Isaïe. Il faut qu'il y ait une écriture chez le prophète. Mon père va s'accomplir. Le prophète, il faut aller de la manzela. Il devait passer par ce que Jésus a accompli. On voit ça dans une discussion d'être. Tu ne vas pas faire trop de débats. Voyez, on va aller voir là. Jésus dit nous sommes avec nous. Déjà, nous avons la ombre. Déjà, comme il y a une ombre là. Jésus a couvert nu. Jésus est nu à la croix. Parce que nous avons un prophète nu. Parce que nous avons un prophète nu. À Paris, à part lui, on a aussi Saoul. On a aussi Saoul le roi. Dans la zone des bois, Romain. Lorsqu'il allait David. Pour chasser David pour le tuer. Dans 1 Samuel 19. Dans 1 Samuel 19. Ah, c'est déshabillé et roi qui t'a là, né. Le roi s'est déshabillé et est resté nu. On s'est parlé de l'œuvre de la roi. Et ça l'a dit pour le Bélamoussa et pour le sou. Et ça t'a dit, on a fait un film des côtés. Avec les professions de film. Donc, tout ce que tu vois en Jésus, et ça n'a pas de prophète. C'est le coup déjà dans le prophète de l'ancienne alliance. Tout Nyonso.
Il était venu travailler pour enlever la richesse qui était en Israël afin qu'elle nous parvienne. Voilà Jésus à quoi Jérémie. Là Jésus-Christ est quoi le prophète Jérémie. Parce que Jérémie a la parole, parce que Jérémie a déraciné. Il avait le ministère de déraciner de les planter. Et de planter les arbres. Là Jésus est Jérémie. Là Jésus est comme Jérémie. Je suis pas attentivement. Mais quand nous sommes pour la croix, dépouillés de tous ces années. Mais quand ces années. À la croix, certainement, à Zalakola, nous sommes pour Israël. Vous êtes là, Mara. Je suis pas attentivement. Et nous connaissons ces années la gâtinaille. Chaque chose qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Et ça, ma vie, à ma prophète. Se retrouve déjà dans la vie de prophète de l'ancienne alliance. C'est ça, écriture, hein? Tu es comme Jérémie. C'est ça l'écriture, ça l'opola Jérémie. Comme Daniel. L'opola Daniel. Daniel était fils de l'homme. Daniel a salaki moi na moto. Na terre étrangère. Na mabela papaya. Dans le peuple soukaye. Lorsque le peuple avait péché. Or Jésus aussi. Or Jésus Christ. Il faut être fils de l'homme. Peut-être aussi le fils de l'homme. Bon ami. Pourquoi? Aujourd'hui Jean. Vous prenez Jean. Jean 5. Jean chapitre 5, verset 27. Le verset 27. Parce que maintenant, tu vas encore s'habiller en fils de l'homme. Ce moment, vous trompez pour le fils de l'homme. Azan, Azan, à Kentucky, les États-Unis. Il est d'abord aux États-Unis, à Kentucky, un blanc. Gloire à Zan, à Maloukouta. Vraiment, ce sont des gros mensonges. Les fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Moi, dans mon entendu, il y a ce fils de ma sœur. Et pourquoi un fils de l'homme? On a dit, il y a des caméras dans mon entendu. Réponse dans Jean 5. La réponse est dans Jean chapitre 5. Verset 27. Le verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Mais à pécier ma coquille au sang de ça. Parce qu'il est fils de l'homme. Pointez à Zali, moi, mon Dieu. On comprend directement la définition de la Bible. Vous comprenez directement la définition de la Bible. Fils de l'homme veut dire juge. Moi, dans mon Dieu, Zali, c'est mon sang d'ici. Nous sommes dans la malade. Nous faisons bien comprendre. Jésus-Christ est fils de l'homme. Pour aller qui pour juger. Qu'est-ce qu'il était venu juger d'abord les péchés. Il était venu juger le péché. C'est Romains 8, verset 1er à 3. C'est dans Romains 8, le verset 1er au verset 3. Union sur les attributs. Tous ceci sont ses attributs. Oyo tozo nomba eza ozwa connaissance. Ce que nous disons, c'est acquérir la connaissance de la maison où tu es entré. Au côté d'un homme à Jésus-Christ. Tu es entré dans la maison du Christ de Jésus. Aux autres foyers, bah, qui est Jésus-Christ? Tu dois connaître l'identité de Jésus-Christ. Mais tu puisses bien le connaître. Au moins, Romains 8, verset 1 à 3. Romains 8, verset 1 à 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes amis, vous vous soutenez et tout pour l'Ipola, vous êtes amis dans la carte de Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair l'a rendue sans force. Maintenant, tu as la suite à verset. Dans un verset 3, tu as la suite. Il y a Romains 8, verset 3. Dieu a condamné les péchés. Ou bien à juger les péchés. Ça fait à sacrifier les sous-mots. Sont à condamner les péchés. À sacrifier les sous-mots. Dans la chair. Nanzoto. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Nakotinda. Nakotinda Nicolas le sous-mots. Moi, j'en ai mon corps mobile. Nakatia Tsoto et Koka. C'est ça, fils de l'homme. Donc, si on soit à moto, donc si tu parles avec on t'a dit, c'est Jésus, fils de l'homme. Tu lui montres qu'il soit à moi à moto. Parce que, à sa juge, pour être à sa vie, on s'en dit ici. Aïe, pour juger le péché. Il est venu juger le péché.
D'abord par l'œuvre de la croix. D'abord par l'œuvre de la croix. Oh, nous avons besoin d'arguments, il faut nous bagarrer pour un enseignement. Ce que j'ai dit, ce sont des arguments de l'enseignement. Et ce qui va tout dire. Et si on t'interroge. Mais est-ce que Nathan est église? Est-ce que tu tombes de l'église? Fils de l'homme, Nathan. Est-ce qu'il y a le fils de l'homme? Est-ce que oui. Effectivement, oui. Non, il y a un fils de l'homme, Nathan, est-ce qu'il y a le fils de l'homme? Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Comment? Pourquoi? Au PCM Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 1 Corinthiens 11. Verset 32. Le verset 32. Verset 32. Dans un temps même. Je le dis au nom de Jésus. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes tombés d'amis et par nous. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Oui, tu dis son nom, pas que la vie soit tout. L'église a jugé. Aujourd'hui, l'église est jugée. Pourquoi l'église a jugé aujourd'hui? Pour l'église, ils ont sali sa manière. Et ça, pour Azalanaï, tout le monde est dans le monde. C'est pour que l'église ne soit pas condamnée avec le monde lorsque le Seigneur viendra au jugement. Et ça, c'est comme un homme avec son épouse. Azal a besoin de corriger, moi, si na la chambre. Il a besoin de corriger son épouse à la maison. Mais il parle d'un colombé la été. En public, il ne va pas la corriger. T'as la colombé la matounios. Lorsqu'il va blâmer tout le monde. La colombé la moisi na été. Il ne va pas blâmer sa femme devant tout le monde. Parce que mon bali, oh, y'a zon qui tisse à moi, si n'a n'a mis sa bataza pour lui qui tisse à l'élément. Parce que l'homme qui humilie sa femme en public, il s'humilie lui-même. Donc, tant nous avons pas besoin de juger le monde. Lorsque le Seigneur viendra juger le monde. À quoi juger l'église de l'homme. En ces temps-là, les lumières sont jugées. C'est aujourd'hui qu'il juge l'église. Vous aurez la main. Vous suivez attentivement. C'est pas ce que Dieu dit, mais c'est 1 Corinthiens 11, 32. Si on te demande l'écriture, tu donnes 1 Corinthiens 32. 11, 32. 11, 32. 1 Corinthiens 11, 32. Donc, il nous dit que nous attendons le jugement. Aujourd'hui, c'est le temps du jugement de l'église. On confond la loi de la loi à la grâce. Mais ne confond pas cela avec la loi et la grâce. Parce qu'on ne devait pas avoir la confusion. Parce que beaucoup font cette confusion. L'église a passé le temps du jugement. L'église passe le temps du jugement. Les années qui ont. C'est comme l'homme. Tiens, on a qu'à ta moto qui est éprouvé par le feu. Mais point à la collègue. Pour qu'il puisse briller à la fin. C'est ça le rôle du jugement où l'église est obligée. Il y a monde et ça qui c'est l'église des autres qui l'a dit. Et Paul a dit à mon ami de l'église 32. Et Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11. Et ça, pour tous, ça va juger avec le monde. C'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a un moment où il m'a tombé dans l'enseignement. C'est pourquoi les gens qui ne maîtrisent pas l'enseignement. Ah, mais on a un oh, on juge le monde. Lorsqu'on va ouvrir les livres, maintenant, je vais passer à ma consacre et sa maison. Ressusciterons, on va nous juger ensemble. L'église a besoin d'un jugement. L'église ne sera pas là-bas au jugement dernier. L'église a besoin d'un jugement de l'homme. L'église vit le jugement de Dieu aujourd'hui. Donc, en bas, sont corrigés. Donc, le Seigneur corrige. Azo les dresser. Le Seigneur nous redresse. Tout un jugement. Et c'est ça qui c'est l'homme. Mais à quoi bon, Bayon, un jugement et Koyan, à ma dernière mon débat. C'est pour te préserver du jugement qui viendra s'abattre sur toute la terre. Et Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce que fait le Seigneur. Il y a moins de temps ici. C'est pourquoi le Fils de l'homme, c'est un juge. Moi, dans mon cœur, ça dit mon sang ici. Il y a moins de temps, ma prophète, même il ma prophète, ma bien-aimée. Fils de l'homme. C'est pourquoi deux prophètes dans la Bible ont été appelés Fils de l'homme. Ézéchiel. Ézéchiel. Bien-aimée, Fils de l'homme. Qui est appelé Fils de l'homme. Daniel. Le prophète Daniel. Bien-aimée, Fils de l'homme. Lui aussi était appelé Fils de l'homme. Baza et Limbo, il y a juge. Ils étaient le signe du juge. Et non, parce qu'on n'a pas Christ Jésus. Avant que tu ne vois quelque chose, Christ Jésus. Il faut qu'on a mon acte, il y a mon corps, il y a ma prophète. Tu dois d'abord le voir au préalable chez même le prophète. Chaque prophète, on s'appelait mon corps, mon Azaraki n'a été ni à l'esprit, à Christ. Il avait une portion de l'esprit de Christ en lui. Totalement 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Nous lisons 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1,
Et verset 10 à 12. Le verset 10 à 12. Pour tanguer à combattre Jésus-Christ. Nous nous sommes au nom de Jésus-Christ. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Comment est-ce qu'on dit? Donc chaque prophète a un esprit à Christ et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie aux huit actes des apôtres chapitre 7. Vous prenez acte des apôtres chapitre 7. Acte 7. Verset 51 à 52. Le verset 51 et 52. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme au courant. Bato yokimo et biolokakate. Dans un acte 7. Verset 51 à 52. Ainsi concis de cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Jésus-Christ, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Donc, par prophète Nios, donc tout le prophète annonçait la venue de Jésus-Christ. Donc ils annonçaient la venue du juste qui est le Christ Jésus. Joseph a dit aïe par ses frères. Joseph a dit n'a qui n'a pas déconné. Les aïe étaient les amis venus chez les siens. Cela représentait qu'aïe pas déconné. Et les siens n'ont point d'esprit. Mais pas déconné, pas d'amis était. Jephthé a dit aïe par ses frères. Jephthé a dit n'a pas qui n'a pas déconné. Dans Juge 11. Dans Juge 11. Donc toutes ces choses, les amis, ils annonçaient l'arrivée du juste. Donc, ce que tu as dit, mouvement à Katinaïe. Donc, lorsque tu vois le mouvement en Christ, on voit comment on a mon attaque à Jésus-Christ. En quand tu vois une fois chez un prophète, tu vas le retrouver aussi en Christ. Et c'est comme ça qu'on enseigne. Et ça, comment on va dire à ta église en temps. Il y a un moment où ils sont aussi dans acte. C'est pourquoi, si vous prenez acte, tant que Paul a enseigné la parole, lorsque Paul enseigne la parole, dans acte chapitre 26, Acte 26, le verset 22. Na 23. Et 23. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais grâce au secours de Dieu, merci. J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Qu'est-ce que le prophète a dit? Savoir que le Christ souffrirait. Voyez, par exemple, Christ a connu au courant et qu'il ressuscitait les prêtres d'entraînement. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et
Et c'est comme ça que nous avons enseigné. Et c'est comme ça que les apôtres ont enseigné. Attali dans ma livre, ma prophète. Il regarde dans le livre de Abinissi Christ. Et puis il fait ressortir Christ. Azui par Moïse. Il regarde dans la loi de Moïse. Amoli la lecture dans la livre de Moïse. Abinissi Christ. Il fait la lecture de la loi et puis il fait ressortir. Azon Sala Moussala sans s'écarter dans l'écriture. Il travaille sans s'écarter des écrits des prophètes. Azui est dans acte 28. Vous le prenez dans acte 28. Verset 23. Le verset 23. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il lui fixait un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Dans un verset 23, il y a acte 28. Je suis au verset 23 et acte 28. Azo annoncé le royaume de Dieu. Paul leur annonçait le royaume de Dieu. Mais comment Zoro de la royaume de Dieu? Mais comment? En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. Nous tous nous prosternons devant son nom. Il est dans un air.
pas frappé. Tu ne mourras point. Là, Jésus. What is this? Anéte. Jésus. Je parle de Jésus. La chose on va dire Jésus Christ. Il est là pour battre devant la maladie. C'est lui qui va te garder devant la maladie. C'est le Seigneur. Et ça, Jésus. Il est là pour protéger. C'est lui qui va te protéger. Il est là pour pardonner de tout péché. C'est lui qui va te pardonner de tout péché. C'est lui que Jésus va s'allier. Jésus Christ. Il est dans un monde balibot, dans la rosa de l'homme là, dans le lingue niosso. C'est lui qui garde ta famille et qui fait du bien de toutes sortes. D'ici quand il y a comme un bâtiment, il y a comme un. Là où quand tu n'arrives pas, lui, il y arrive. Aïe, il y a même un cas de sabato, il y a un cas de colonne. Il y a même des pensées qui sont frappées, les malheurs sont là. Il y a un voyage qui parle de la malédiction. C'est lui qui avait réalisé la malédiction. Nicolas Israël. Des malades et des malades sur Israël. Malades, dans un programme à la mort. Malades et malades avec le. Maudit Israël. Et maudit Israël. Dieu refusa. Ça n'a pas bon à l'amour. Il est appelé sa prospérité. Il est appelé sa prospérité. À sa taille, mon corps. Pas même un pays. Pas même un pays. Pas même un roi de la terre. Attends, mon corps, ça va. A compris sa prospérité. Et peut te donner la prospérité. Saint Jésus-Christ. Sa taille, son fils. L'église doit élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps pour la compréhension. Et quand on est dans l'ambiance, ça va t'amener. Christ ne peut pas entrer dans la compréhension. Mais il faut tomber à chaque fois Jésus-Christ. Mais toi, à chaque fois, élever Jésus-Christ. Croyez ma parole de grâce à Dieu, la mienne, sur sa main, au Seigneur, la vie. Ça va élever ou renoncer le Seigneur dans tout ce qui vous a fait. Contacte pour la monnaie, la haine, la parole de grâce au Seigneur, la vie. Confessez sa grandeur dans le bienfait qui nous a fait. C'est très important. Ça va tout y avoir cassé. Parce que. Sa grandeur parce que c'est qu'il peut personne ne peut faire. On élever grandeur naé parce que ça les amène à l'issico. Tu vas élever sa grandeur parce qu'il est Dieu. On contacte naé parce que ça les longue à mon aîné. Tu vas les confesser parce qu'il est la grande victoire. L'ibanda naé mon continue sur sa lité. Après lui, il n'y a point un autre. Mon précisément sauté. Celui qui donne de tout. On t'attend et ton sang de l'isabelle à lui. Tu vas les témoigner en priant le Dieu le prodige. Grand Dieu, Rocher Jésus. C'est toi la véritable rédemption. C'est toi le véritable refuge. C'est toi la grande lumière de Dieu qui exauce la prière. Je te confesse parce que tu es tellement grand. Tu es ma lumière, mon Dieu. Quand tu opères des prodiges pour la gloire de ton nom. Droite ma vie est si puissante, Seigneur. Ta droite est si puissante, oh Dieu. Dieu de toute éternité, mon Zambé à ses cognos. Dieu est pauvre, mon aile puissant. C'est toi le grand refuge puissant, Dieu. Ici que nous sommes Zambé à ton nom. La véritable rédemption de Dieu. Pauvreté à vos camions, Zambois à l'école de l'Aïos. Personne ne comparable à toi, les dieux de ce monde. Personne n'est comparable à toi, le Dieu saint. Mon côté, à vos canines, à vos canines. Personne n'est comparable à toi, le Dieu parfait. Azali, contact pour la monnaie, à vos canines, à vos canines. Je témoigne la grandeur de ton nom, le Dieu. Azali, contact pour la monnaie, à vos canines.
choses, la prière. Tu es la grande victoire, oh Dieu. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es la véritable rédemption. Tu es le grand refuge de Dieu, chose, la prière. Sois élevé au Dieu. Je confesse ton nom parce que tu es le Seigneur. La véritable victoire de Seigneur. Sois glorifié. Tu es le Dieu de tout de ta passion. Dieu de gloire, de paix, de miséricorde, puissant avec Jésus. Santé à qui moi et qui m'a paix à toi. Sois exalté, glorifié. Et son puissant. Tu es le véritable refuge pour Dieu. Aux ensembles dans mon moyen attendu. Tu es le Dieu vivant, je te témoigne. Aux ensembles dans Diano, Isiba, la main à bon moment. Tu es le Dieu qui exauce la prière, la source d'eau vive. Yo donc au canagnon, ce Seigneur. C'est toi qui es parfait en tout. Nazali, au tato, la repasse aux alliés et l'ombre. Je te confesse parce que tu es la victoire. Yo Dieu, aux alliés pour les nations aux puissants. C'est toi qui es la véritable lumière aux puissants. Il parle dans la yo, mon continu, sois alité, Seigneur. En de toi, il y a point sur notre roi, oh Dieu. Et ta grâce puisse se manifester dans la vie de tout un chacun. Merci pour la bonne mon ayosa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la bonne ayosha. Merci pour ta grâce, oh Seigneur. Dans le nom de Jésus. La compagnie de côté Zambé n'a pas moi même Guru Nayon de Sali ni Sobola. Nous ne sommes derrière, mais c'est ta grâce qui nous a accordé. Sois béni Jésus-Christ. Par pour la main de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ.